c'était là, moi, la dernière fois que je suis venu dans cet amphithéâtre, c'était pour, comme étudiant, je suivais les cours de Raymond Barre. Quels souvenirs vous gardez de Sciences Po? Écoutez, un temps joyeux, vraiment, avec beaucoup d'engagement. Justement, on en parlait, même parfois des empoignades entre les différents syndicats, mais aussi les partis politiques. Beaucoup d'excitation et une grande ouverture. Moi, j'ai beaucoup aimé ces années que j'ai passées ici, ces deux années que j'ai passées ici. La première, je l'avais passée à Strasbourg, à Sciences Po Strasbourg. Je trouvais que c'était une ouverture d'esprit. Je pense que c'est, et je l'ai toujours conseillé à tous mes enfants et à tous ceux que je connais, c'est la meilleure plateforme d'où vous puissiez regarder le monde après. Alors après, vous vous engagez comme vous voulez, la fonction publique, etc. Moi, quand je suis rentré ici, je voulais être diplomate. Donc j'avais cette idée un peu... peut-être romanesque, la diplomatie, je me dis je vais pouvoir écrire des livres, des chefs-d'œuvre, tout ça. Bon, je suis revenu un peu sur cette idée, donc Sciences Po et Langues Zo ne m'ont pas directement servi dans mes études et surtout dans ce que j'ai fait après, mais ça m'a servi dans la formation et dans la culture générale et dans le goût permanent de l'écoute de l'autre. Il y avait déjà ça à l'époque et aujourd'hui je vois que c'est encore le cas. C'est une très belle école pour le discernement, puisqu'on en a parlé tout à l'heure lors des tables rondes. Une belle école qui vous permet de discerner, d'observer et, je pense, de choisir après. Mais ne pas faire son choix dès la première année. Attendre, voir, écouter, sentir un peu, s'engager et puis après, voilà, trouver un job.